Eh bien, salut à tous, c'est Gabriel, et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Dragon Ball Z Dokkan Battle sur Android. Aujourd'hui, nous enchaînons une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, je viens m'apercevoir, apparemment, il y a quelques mois ou quelques semaines, qu'il y a eu l'event de Yamcha. Alors cet event consiste à débloquer ces personnes que vous verrez. Bon, là, vous voyez que le Yamcha d'à gauche... Je sais pas si vous savez qu'est-ce qu'il fait, mais je suis sûr que vous savez qu'est-ce qu'il fait. Mais en tout cas, je suis sûr que les personnes qui regardent cette vidéo savent qu'est-ce qu'il fait Yamcha quand on débloque comme ça. Et voilà pourquoi c'est caché. Parce que les enfants là que vous voyez peut-être qui jouent là. En tout cas, je sais que vous savez qu'est-ce qu'il fait quoi. Alors, je viens tout juste de me connecter et grâce à ça, j'ai eu ce Yamcha. Et je me dis, mais c'est une blague ou c'est comment? Parce que Event de Yamcha et Yamcha en SSR. Je me dis, mais c'est une blague ou c'est comment? Je sais pas parce que je vois quoi? Comme récompense de mes connexions sur ce jeu, ils m'ont offert ce Yamcha. Et il peut passer en UR, mais je me dis, mais est-ce qu'il sert à grand chose? Si jamais vous savez, si jamais l'un des personnes qui a eu ce Yamcha, dites-moi dans les commentaires si jamais il est vraiment utile. Mais je me dis, mais là c'est une blague! Event pour Dokkan Yamcha! Bon, au moins je l'ai eu, mais au moins on va quand même essayer d'avoir des médailles pour le Dokkan. Alors on va commencer tranquille. Avec Yamcha vaincu. Alors, d'après mon équipe. Vas-y, on prend une sim comme ça. Peut-être qu'il va avoir des liens avec les personnes que j'ai. Bon, les amis, je viens de recevoir que dans les commentaires que des fois vous me dites, mais wesh, ça vient d'où ce gros boule de ce gros plein de soupe avec plein de graisse. Bon. Désolé de vous contredire, mais les gars, j'aurais bien aimé le retirer de ma team. Bon, le problème, c'est que je voulais prendre une autre personne de ma team, mais le problème, c'est que je suis en cost over. C'est-à-dire, je peux plus mettre des personnes du genre comme du Gogeta, du Goku, les personnes que vous voyez là. Je pouvais pas mettre plus que, je peux pas mettre plus de mon ACT là qui est là. Et du coup, là, l'ACT que vous voyez. Ouais, il fait mal quand même. Allez, sans plus tarder, nous allons commencer l'event de Yamcha. De toute façon, si vous ne croyez pas que j'ai Yamcha, je pourrais vous montrer à la fin de cette vidéo. Ça. Bon. Ah bah enfin, quand ça bug comme ça, c'est-à-dire que ça va normalement. Ok, allez, c'est parti, on va commencer le 20e chat vaincu. Tranquille, on va mollo quoi. Bon, je vais juste passer dans la cible. Bon, je ne prends pas trop de dégâts, c'est pas trop critique. Voilà, super rare. Et bang. Ah bah voilà. Là vous voyez, il a encore refait. Va-t'en où je vais t'y forcer. Ah bon? Tu me forces à partir? Toi tu connais pas ma team hein? Ah, toi je vais déglinguer avec. T'as jamais Gogeta. Attention, on va voir ça. Eh non, il est pas là. Mais et voilà, il y a un lien qui s'est créé, l'origine de Saiyajin. Du coup, si jamais par en attaque SP, oui, il va bloquer l'attaque SP, ça c'est génial. Gohan, voilà, ça c'est parfait comme ça. Pas la ping qui m'attaque comme ça. Bon, lui, bon, le pain de soupe, même s'il n'a pas en attaque SP, c'est rien de spécial. Du coup, on est parti pour que Goten bloque notre attaque SP, enfin son attaque SP. Ok, c'est fini alors.
juste avec Nasak, juste avec Goten. Alors que lui, son truc, c'est au moins débloquer l'attaque speed. En fait, lui, il s'en fout. Bah, il a fini. Hein. Ok, il est à terre. Vu qu'il nous faisait un bon, vous savez déjà. De toute façon, pour vous faire plaisir, dites-moi dans les commentaires qu'est-ce qu'il a fait. Mais je suis sûr que vous savez qu'est-ce qu'il a fait. C'est probable que vous savez. Alors, ça charge. Allez, que ça vient. Ben voilà. Ok, mission accomplie. Du coup, ok, on a tenu une médaille. Celle de Tenshian. Et en même temps, on gagne des pierres, tu vois. Tranquille. Ok, c'est parti maintenant. Les pronostions de. What? De fait! Attends, vous voulez me dire, c'est normal? Waouh, les amis, je suis désolé, mais c'est une blague! Pour un event de Dokkan, de Yamcha, mais c'est une blague! Vous aurez compris que ce que j'aurais dit, mais ils se foutent de moi! Ouais! On est dans Dokkan Battle. Les personnages que j'ai là, pour les Dokkan, la des. Oh. Je sais pas si ça se finit comme ça. Mais je suis désolé si jamais cet event se termine comme ça. Au calme! Alors moi je me dis. C'est une blague. Ce Yamcha alors il sert à rien. Bon, de toute façon, dites-moi dans les commentaires si jamais vous avez regardé des vidéos de ceux qui ont reçu le Dokkan en UR. Alors pour moi, je sais pas. Alors laisse-moi m'en charger. Je vais leur montrer que cette fois la plaisanterie est terminée. Tu crois moi je suis là pour plaisanter Yamcha? Alors là tu t'es trompé de personne hein. Désolé mais on est bien d'accord pour s'amuser mais là. Allô. Les gars, je suis désolé, Yamcha est foutu. T'es mort. Déjà Gogeta il met des immenses dégâts. Alors là, et en plus regardez. Putain. Yamcha goodbye hein, parce que regarde le truc que je vais te faire avec Gogeta. Alors là. La plaisanterie, je suis désolé. Allez, regardez ça. Juste avec un bimbe quand même, regardez. Regardez ça. Bien. Même pas la peine de Vegeta. Bon, Vegeta, je t'aime, hein. Mais tu vois. Alors, Vegeta, je vous dis, tu l'avais dans votre film. Et en plus, vous Dokkan en UR. Il va faire la misère. Alors les dégâts immenses. Ouh. Oh, on a eu la cinématique où il s'est fait. Détruire par l'attaque ultime de comment il s'appelle des Cyberman ou s'appelle l'autodestruction. En même temps le Cyberman est mort mais en même temps lui aussi est entraîné dans la mort du Cyberman. Du coup bah voilà il nous a fait la scène de l'autodestruction. Ok du coup j'ai les médailles nécessaires. Du coup est-ce que l'event est terminé? Bon, les gars, c'est une grosse blague. C'est une grosse blague. Je vous dis, les gars, c'est une grosse blague. Regardez-moi ça. En deux quêtes, on a fini. Non, c'est une blague. Bon, peut-être je vais voir si en petit bonus, on peut faire l'éveil d'Okan de ce Yamcha. C'est juste pour moi, je sais pas, pourri. Bon, je sais pas. Je parle trop vite parce que peut-être je dis ça. Mais après, derrière ça, apparemment, il est chaud. Alors, je vais rien dire. Et on va voir si on peut le Dokkan là, maintenant. Alors, où est-ce qu'il est? Il est dans les agiles. Normalement, il est là. Ah, il va. Ah, il me faut combien de médailles? Ah! Ah ouais, je l'ai pas encore réveillé, ça c'est dommage. Allez, je vais voir si je peux pas réveiller comme ça. Ah ouais, je peux réveiller. Ok. Ok, LM, bah, vous assistez à son éveil, mais pas vraiment UR, mais avec des états en plus, je sens un peu puissant. Du coup, bah premier réveil hein, dans mes vidéos de canne. Hein. Affiche de gros dégâts.
Bon, peut-être les gars, je sais pas, peut-être dans une quête, je vais essayer de tester ce Yamcha. Et je vous dirai dans les commentaires si jamais, comme il dit, inflige des gros dégâts. De toute façon, si vous, voulez que, qu'on vérifie ça ensemble, pas de soucis. Du coup, dans les agilités, voilà. Du coup, voilà qu'est-ce qu'ils disent. Ce Yamcha inflige de gros dégâts. Alors, je, pour l'instant, j'ai rien dit. Je vais vous le tester, mais pas en vidéo. Mais je vous dirai en commentaire qu'est-ce que j'en pense de ce Yamcha. Et c'est un vrai combattant. Pour l'instant, j'ai rien dit s'il est nul ou pas. En tout cas, l'event a été très très rapide. Et pour moi, c'est une blague d'avoir de Dokkan. Un Yamcha aussi. Lutte épique. Je sais pas. Les gars, pour moi, ce event, c'est une blague. Event, c'est une blague. Un event pour Dokkan, un Yamcha. Ah, moi je sais pas. Oh là là là, je sais pas. Ok, bon. Mais j'ai rien dit en tout cas. Bon les amis, on se rapproche de la fin de cette vidéo sur Dokkan Battle. J'espère que ça vous aura diverti. Mettez des pouces bleus pour commencer mon travail. Abonnez-vous. Dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez de cet event assez rapide. Et pour vous, est-ce que c'est utile vraiment? Et peut-être on se retrouvera pour cet event-là de un autre avec de Yamcha. Mais si vous voulez, peut-être on vérifie là maintenant. Qu'est-ce qu'il nous donne? Alors ça charge. Ah voilà. Normalement c'est bon. Ah voilà, le grand Sholem pour capitaine Yamcha. Du coup, on vérifie qu'est-ce qu'il y a là-dedans. Attendez, juste à vérifier. Ok, du coup, l'event se termine. Du coup, ça a démarré lundi, le 6, et ça se finit le 21 mars à 22h30 ou 21h59. Ça dépendra. Bah du coup les amis, si ça vous plaira, dites-moi dans les commentaires si jamais vous voulez que je fasse une vidéo sur le grand Sholem pour Capitaine Yamcha, un autre event sur Yamcha où on peut, il y a des chances où on peut obtenir ce Yamcha SSR avec un coup d'équipe super bas, c'est-à-dire je peux rentrer dans un de mes teams. Et dites-moi dans les commentaires si jamais vous voulez que je fasse un event de ça. Et n'oubliez pas de me dire ça très très vite. Parce que cet event se finit mardi prochain. Si vous dites non, bah je le fais pas. Je le fais dans mon coin. Et si vous voulez, je fais ça en vidéo. C'est vous qui voyez. Dites-moi ça dans les commentaires. Du coup, passez une bonne fin de soirée. Et puis je vous dis à la prochaine. Tchuss.